Quel prix as-tu à payer? Tout ce que j'avais. Ah, c'est un peu Thanos, le géant Krakos, regarde. J'ai oublié Le géant prix. Thanos. Quel prix es-tu prêt à payer? Bah, T'as les dit. prix à payer tous les... J'ai dit quel prix es-tu à payer? Bah, moi, c'est 10 balles. Oh, j'ai un plaid génie là. Comme Parce que des Isabelle. fois je dis ah ouais parce que j'ai pas écouté les gens aussi. Hein. Isabelle est génie. Excusez-moi, je suis beaucoup trop con. C'était un ascenseur ascensionnel. Ah ça c'est possible que je l'ai dit, ouais. Mais qui c'est qui spamme ces cotes là? C'est trop bien ça. Incroyable. Et t'en as d'autres, Hey, qui Cyril, fait toi? ça là? C'est bien ce que vous faites. Val, la vieille personne. Hey, qui fait le bruit là? Je l'entends là dans les oreilles. Oh putain, j'aime bien, j'aime bien, j'aime Ah, bien. j'aime bien là. C'est quoi le bruit que vous faites? Ah, c'est bien ça. Bon allez, vas-y, lance. En plus, ça filtre les sorties, non, c'est super. Le problème, Oh, c'est que c'est si on n'est super. pas un peu vite dedans au début, on va juste perdre, tu vois. Et quand tu perds, tu fais pas 50 pev non plus, quoi. T'inquiète. Tu vois, frère de bande, il tient le board au moins. Il faut juste pas attaquer avec. Mais Prince C'est Charmant, ce ça qu'il fera fallait faire. pareil. Il fallait laisser frère de bande d'Adjani, mais ne jamais attaquer avec. Mais le mec a concède parce que Virard de Bande était là. Non, Mais mais parce, oui, si! mais parce qu'il savait qu'on pouvait attaquer. Mais si tu lui dis de prime abord que tu ne peux pas attaquer, tu vois? Ouais. Alors tu te balades dans la rue, Clash Garrett. le mec il a peur de ton pitbull parce que t'as un pitbull, mais tu lui dis mais non, il peut pas t'attaquer, regarde, il a plus de dents et une patte en moins. J'adore ta précision. T'as peur de ton pit... Il a peur de ton pitbull parce que t'as un pitbull. Parce que s'il a peur de ton pitbull alors que t'en as T'en pas, ah as bah il pas. est con le mec. Bah, il a peur par appréhension, tu vois. Il Il dit appréhende. putain, je suis sûr que ce mec chez lui il a un pitbull. Il va me ramener le pitbull, le con. Allez hop. J'ai envie de faire droit au premier nez. Non, ça sert à rien. Je vais le bluff. Je le bluffe 100%. Eh ben, Regarde. Il faut faire des De quoi il plays. va le... Tu veux qu'il sacrifie sa chevalière? Ouais. Il faut faire des plays ambivalents, tu vas voir. Des plaies agressifs? Le con. Il a mordu hameçon. Yes! Alors Georges Muge, est-ce que tu es dispo pour manger avec nous vendredi soir? Hop. J'organise un petit dîner sans prétention Sympa. Tu avec ramèneras ta des collection tourtes. d'ouches. Comme ça. Pas d'attaque. Stylé animation des Rebos, c'est vrai. J'ai pas vu. Je vous le mets en gros là parce qu'il est plutôt sympa. Oh, son fouet qui a fait tant de mal en standard à l'époque. Et il a l'air de faire mal, hein. Ouais, il a l'air de faire toujours mal, mais ils l'ont pas ressorti, tu vois. Un petit fouet de Rebos, un petit Sultai Whip là, comme à l'ancienne. Putain, quand tu dis un Il petit fouet des Rebos, j'ai l'impression que tu me parles d'un saucisson. y a... Un bon fouet, quoi. Ah, j'ai des petits fouets des Rebos, si ça vous dit. J'ai Qui mes deux trois kips à côté. en veut? On peut picorer. On peut ça que ça, non? S'en fout. Attends, mais c'est la fin de son tour là? Ouais. Ah non, c'est la fin du mien. Ah non, c'est la fin du sien. Ouais, vas-y, sacrifie. Le mec est du père. Ah! Ou d'un fromage. Ah, parce que le fouet, c'est déjà un saucisson catalan en fait. Donc le fouet des Rebos, je me dis, c'est un village catalan, tu vois. C'est genre Erebos, c'est très. En plus, Erebos, ça pourrait C'est un être peu Erebos, catalan, tu bien vois. sûr. Erebos. J'ai ramené Erebos. ce fouet d'Erebos. Ouais. Ah, j'avoue. J'avoue, j'avoue. Je vais commencer à faire joujou avec mon chat. Tu vas faire joujou avec quoi? Avec mon chat. D'accord. C'est comme ça que tu l'appelles? Bah oui, c'est un chat. Ok. Je lui envoie une petite balle, il me la rapporte. Sympa. Il est très gentil. Vas-y, go, Touping! comme ce peuple barbare des années 1200. Les Visigoths. Ah. Je l'ai déjà fait en J'ai été plus. sur les Toupings, moi. Sur les toupies. Et je me suis dit, bah je connais pas, tu vois. Les J'ai. toupies ont envahi la Gaule. Je me suis endormi en cours d'histoire. Une fois, j'étais en train de m'endormir en cours d'histoire, j'étais comme ça. Genre, je réfléchis. Et le prof me dit, Pierre-Louis. Donc je lève comme ça. Il me dit, pas à moi. En bas de. Bah, pas à vous. Je l'ai déjà fait, tu vois. Ah non, c'est. Non, peut-être qu'il m'a dit ça. Ah, je sais plus s'il m'a dit pas à moi ou s'il m'a dit, je l'ai déjà fait. Genre. Comment ça, j'ai déjà J'ai fait? déjà dormi comme Ah ouais, ça, alors genre, donc je je connais sais ce que quoi. tu fais quoi. L'un ou Ok. l'autre, c'était drôle. Moi, j'ai mon prof de physique qui m'a dit, je cite, en proutière, je vais te satelliser, qui m'a dit. C'est vrai? Je te jure. Ça vient de là ou pas? Non. Ah, ça aurait été incroyable. Bon, on dit satelliser parce que ça nous faisait marrer, nous, mais. Ouais. C'est pas ouf, mais tu peux garder. T'es sûr que c'est bien ça? Tu fais scry into pioche. Ok, je garde. Ouais. Ouais, c'est bon, je garde.
m'a aussi dit que Et t'as zone en il plus. m'a aussi dit que les saucissons ça poussait pas sur les arbres. Et ça, c'est extrêmement juste. Je sais regarde, pas. Regarde, regarde, regarde. On va aller chercher Atrice. Ça a l'air vraiment trop bien, Atrice, je trouve. Elle joue dans des films? C'est une actrice, ouais. Ouais. Elle joue dans des films de d'Oracle. Film d'Oracle, c'est quand même super précis. Non, moi, je fais que les films d'Oracle. Ouais. Vous savez, il y en a pas énormément, les films. Je vais la mettre en mode samouraï, si vous permettez. C'est fou, hein. S'il mettait tout sur Tamio, on l'avait gagné. Ben ouais, mais il a pas tout mis sur Tamio. Ah. Après, on peut bloquer avec nos deux oies d'or. Attends. Attendons. Oh, mais oui. Ouais. Je peux faire ça. Regarde donc, Val. Ouais, je regarde donc. Montre-moi. Montre-moi, je n'ai pas bien vu. Putain, non, surtout pas. Il n'y a pas eu. Mais non, il a... Mais what? Mais on a gagné, poteau. Oh non! J'ai envie de mourir. Oh mais tellement! Non, 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 non! Mais on a perdu! Mais il y a un coup de Tamio. Non! Ah ouais, non, même pas. Merde, putain. Et il avait tout! Il avait tout. J'ai envie de crever, je te le dis. Putain, fais chier quoi. Vraiment là, tu me dis, écoute, je te crève, tu vois, tu me plantes un truc dans le bide, je te dis, vas-y, va. Je t'ouvre la porte de la Vega Missile, gros. Pouf, comme ça. À 380, vous êtes même pas à la moitié de l'accélération. Puissance, quoi. Mais quel sacripant. Lui, tu sais que je pourrais lui mettre des calottes, hein. Ah, il t'a calotté. Vraiment, je. Pardon, micro. Je mettrais des calottes comme ça. Mais pas la douleur, juste le rappel à l'ordre. Genre, tu vois pas qu'on essaie de s'amuser. La calotte de ses morts, quoi. Non, non, justement. Vraiment le. Ah, c'est genre que tu comprennes. En fait, qui soit un peu comme ça, qu'il y ait plus de pitou dans la calotte que de mal. Exactement. Exactement. Ouais. C'est le truc du. Peut-être tu fais n'importe quoi, Jérémy. Ouais, arrête, arrête tout de suite. Voilà. Putain, tiens une vis. Touffe-toi avec. Voilà. Ça me détend. Oh putain. Oh le même. Mais non, on a pas mis les. Si on rejoue pigeon, je concède. Non, 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 non. On lui montre qui c'est le patron. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle decklist, comme à l'accoutumée, une decklist en historique qui nous vient de Monsieur Amanguchi, qui l'a posté. Il nous l'a envoyé par la poste. Il nous l'a envoyé par la poste, il m'a passé un petit coup de téléphone, il m'a dit félicitations, pas du tout. Et il a dit deux fois d'affilée. Il l'a dit deux fois, et il a dit pas du tout. Voilà, félicitations, pas du tout. Pas du tout, tu es nul. Voilà ce qu'il m'a dit. Avec... Salut les Français, vous êtes nuls. Et il a raccroché. C'est bien. Et très bien ce jeu quand même. Salut, j'ai gagné. N'hésite pas à mettre un pouce bleu si cette deck t'en t'a plu. Voilà, allez, viens là. Il est bien ce deck quand même. À moi il me plaît bien. Et là tu peux les caster les Oraska, n'en a rien à foutre. Tu peux y aller hein. Qu'est-ce que ça fait ça? Oh putain, Value Town. C'est quoi? Et il a fait un arrêt à Value Town dans le bus de la pioche. Ah ouais? Ouais, ça va aller quoi, t'en fous. Mais en fait j'adore qu'il y ait des petites guiboles et un très gros torse. J'avoue, il a un design un peu sous le calibre, je trouve. Et il a un peu taille braise, mais fatigué. Ouais. Enfin bon, du coup, ne restez pas sur cette version-là qui est un petit peu old school. Le next level, c'est Engeance du Chaos. Voilà. Attends, mais on n'a pas relevé le nom de chevalier assermenté. Bah, c'est un policier. C'est un policier, incroyable. Il est gardien de la paix avant tout. Il y a des chevaliers, en fait, ils disent ouais, arrêtez de faire ça. Et les gens disent ouais, on s'en fout. Et lui, il arrive, il dit non, mais moi, je suis assermenté. Et là, du coup, la populace fait ah ben. C'est vrai. Tu crois qu'il a dit à l'Engeance, tu dégages du deck, je suis assermenté. Et l'Engeance, ça a fait ok. Bah, c'est sûr. Je reviendrai. C'était sûr, en fait. C'était sûr, en fait. À l'image de ton deck, l'Engeance est amputée. Regarde. Tu vois. Vous voyez un peu. Merci. Ça, c'est Druidesse de Paradis. Hein. Ça, c'est le petit ajout, ça. Ouais, ça permet de faire des trucs. Ah, bah, quand même. Attends, ah, bien, ouais. Attends. Non, c'est bien, c'est bien. Voilà, allez, dégage, c'est d'abord. Bien joué. Au prochain. Qui y a derrière vous là? Là, le petit gars là, amenez-le. Il faut quand même gagner la 2 par contre. Il faut gagner la 2, mais ça va. Enlève les deux bêtes. Vous voyez pas, j'ai les mains comme ça depuis tout à l'heure.
Toujours là pour abattre le fun. Hein. Merci Foucaillou. Hein. Ouais, top deck. Non, mais je vois qu'il y en a toujours qui sont là pour être garants, tu vois. Les garants du ladder. Il faudrait pas trop qu'on s'amuse sur Magic Arena, tu vois. C'est déjà de pas s'amuser. Ouais. C'est déjà de pas s'amuser. Là, on va prendre Cry of Carnarium et je vais le manger, tu vois. Oh, dégage, putain. Ah, ça dégage. On le refait. Coupé. Elle est pas bonne.